Bon, eh bien Jean-Jacques, après la journée de dingue d'hier, aujourd'hui on fait une journée beaucoup plus calme. Oui. Il y aura moins de choses à voir, il y aura juste de la route à faire, mais quand même, on va se faire la Nationale 7. D'accord. Donc là, on part pour Mâcon finalement. On va pas aller jusqu'à Beaune. Oui. Parce que à Beaune, il faut 4 heures de route et je voudrais m'arrêter manger à Mâcon. D'accord. Voilà, il y a 2 heures de route pour Mâcon. On sera à midi à Mâcon. Donc on fait comme ça. Ça marche. Allez, on est parti. Oh, et bien nous voici sur la mythique Nationale 7, Jean-Jacques. Oui. Voilà. Donc on va aller dessus jusqu'à Lyon. Histoire de, quand même de faire cette fameuse Nationale 7. Oui, alors, petit aperçu. Alors, je l'ai déjà fait quand j'avais été à Valence pour le Lille France Café. Et en Zoé aussi. Ça fait l'intégralité. Et on en a fait un petit bout en Zoé. Mmh. Ah bah oui, j'avais fait. Enfin, pas l'intégralité. De Paris jusqu'à Valence. Non, j'avais fait Lyon-Valence hein, sur les 27. D'accord. J'ai pas fait l'autre partie. Ça, c'est un autre projet de la faire entièrement. Normalement, on va jusqu'à Nice. Hein. Hein? Alors, jusqu'à Nice, d'accord. Ouais, c'est un autre projet pour plus tard. Ça, c'est l'ancienne route de vacances. Voilà. Moi, je la ferai vraiment de Paris. À part de Porte d'Italie. Voilà, jusqu'à Nice. Et elle passe même dans les montagnes, mon Dieu. Ouais, donc ça va être intéressant parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de superchargeurs sur la Nationale 7. Ah non. Donc ça va être un défi encore ça. Donc ouais, ça c'est prévu. Nous sommes toujours sur la Nationale 7 en direction de Lyon. On a encore des beaux décors ici. Hein. Ah mais de rien, c'est joli hein, ça. C'est ballonné, il y a des collines, il y a du relief. C'est... Nous sommes à Serves-sur-Rhône. En plus, il y aura la perspective. Mm. Nous sommes en race campagne, Jean-Jacques. Oui. Direction de Mâcon. Il doit rester à peu près 45 km. Il fait beau aujourd'hui, on a de la chance. Ouais. C'est bien, ouais. Pas très chaud, par contre, 20 degrés. Toujours 20 degrés. Ouais. Il y a une vague de froid qui s'est abattue chez nous. Ouais, c'est dingue. Hein. Et comme en plein mois d'août. Hier, on crevait de chaud au superchargeur de Cannes. Ouais. Après, on se gelait le cul en haut de la montagne. Ça gelait 10 degrés. Hein. 10 degrés. Et même 9, c'est descendu à 9. Ouais. Et là, il fait 20. Je pensais qu'il allait faire plus chaud quand même à Valence. Ouais, ouais, Valence, c'était pas chaud. Parce que souvent, il fait lourd et chaud. Ouais, il faisait à peine 19. Voilà, il y a moins de choses à voir aujourd'hui. Hein. Ouais. Là, c'est le retour. En même temps, le retour, bon, là, c'est du classique, quoi. Ouais, peut-être en tout bas. La Champagne, tout ça, là, c'est beau. Hein. Oui, c'est beau, la Champagne. Après, on n'a pas pu faire Genève. Parce que bah, ça aurait mis trop de temps. On en rêvait tard. J'irai à Genève, t'es. J'irai voir. On fera un autre épisode. C'est déjà pas mal hein, ce qu'on a fait. Ouais, franchement, c'est énorme. Hein. Parce que là, on en est à presque 5000 km. On les aura quand on sera à Mâcon. 5000 km hein, déjà. Donc les. C'est pas les 6000, tu les auras. Ils sont atteignables, ouais. Et on a fait sur les 5000 km, on a fait une moyenne de 16,9 kWh. 16,9 oui. Ouais, en grimpant d'école. Hein. Je crois. C'est quand même exceptionnel. C'est hein. Pas beaucoup, hein. Ouais. On voit que fait d'automne. Ah oui. Pas mal du tout. Hein. Et là, tu peux avec le record d'autonomie. Hein. Ah ouais, c'est clair. Après, quand on sait s'en servir, la voiture, voilà. C'est... Ouais, vous savoir bien l'utiliser. C'est ça. Bah, tu la connais bien, tu exploites au maximum son autonomie. Ah donc là nous sommes accueillis, n'est-ce pas, par la population qui nous regarde passer. Voilà. Bonjour, salut, on fait le Tour de France.
ça pour tout ça. C'est filmé. C'est nous qui on fait le Tour de France. Il a pété un câble. Ouais, c'est vrai, je suis dans le mauvais sens. Regardez, ouais. Regardez, en venant par là. Ouais, ouais. Un jour, on fait demi-tour. C'est bon, j'ai faim. Ouais, je dois aller manger. C'est trop tard. Ça, c'est en termes d'organisateur, j'aurais fait ça. C'est quoi que ça dans le mauvais sens? T'imagines, on se serait arrêté dans le bled là en disant voilà, on fait nous aussi, on fait le Tour de France. Ah ouais. C'est fou, on aurait été accueilli en héros. Nous arrivons bientôt au superchargeur de Mâcon et il y a un Twizy qui nous suit, Jean-Jacques. Non. Je te jure que c'est vrai, il y a un Twizy derrière. On va essayer de doubler. Regarde, regarde. Du signe. Regarde, on le voit, on le voit. Le Twizy, on le voit. On le voit. Il va se dépasser. Il reste derrière. Hein. Regarde, on le voit bien là dans la caméra. Ah, on va piéter le nœud. Ah, je vois là. Regardez tout partout. Hein. Il a tourné là, Hugo. Il y a de la bosse. S'il arrive, il va nous doubler. Hey. Et ça le forme, tu crois ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'est un Twizy avec un A au cul, c'est rare. Ouais. Ah, c'est rare, c'est que ça 80. Ah, c'est que son tour, ils intègrent. Ah oui, les gars. À 700 mètres, veuillez quitter le rond-point à la deuxième sortie et continuer sur la départementale 906. Ça fait bizarre de voir l'extérieur. Hein. Ouais, ouais. Je suis toujours à l'intérieur. Donc, À 400 mètres, veuillez quitter le rond-point à la deuxième sortie et continuer sur la départementale 906. Qui nous rejoint sur Avril Tourne. Ah, oui, on va pas lui demander de rejoindre le superchargeur. Tu vois, Jean-Jacques, t'as vu un Twizy? Ouais. Moi, j'ai jamais vu. Hein. T'avais jamais vu de Twizy de ta vie? Non. C'est incroyable. Ouais. Ouais. À 400 mètres, veuillez quitter. À 400 mètres, veuillez tourner à droite et puis vous arrivez à destination. Alors, bah, des tonneaux d'hôtel, je suppose. Hein. Ouais. Alors, ouais, on peut tourner. Maintenant, tournez à droite. Ah bah non, alors il est, ah, il est là, ouais, je perds la Tesla. C'est... Ah, bah il est juste là, regarde. Juste à gauche, regarde. Après, il n'y a pas de magasin autour. Hein. Ah bah non, c'est pour ça que je t'avais dit, valait mieux s'arrêter avant. Il est quand même en hôtel un peu plus. Il est tout neuf. En plus, ça en fait loin quand même. Voilà donc le superchargeur de Mâcon. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stèles. Dont 5 sont actives et 5 sont bientôt actives. Mais ce sera un 10 stèles quand même. Celui-là, c'est un des rares qui fait 10 stèles. Hein. Jacques, on est chargé à 95%. Il reste pas très longtemps à heure de recharge. Il reste quoi, 15 minutes ouais, pour les 5% qui restent. C'est long. Hein. Il est plus qu'à 6 kW le chargeur. Ouais, on va pas attendre. On va se barrer à 98%. Allez, on va attendre 3%. Et donc, nous partons pour un périple de 360 km. Que la Tesla devrait faire ouais, c'est la gueule, putain, facile. Ouais. Même là, hein, je pourrais partir maintenant. Ça doit être plus rigolo là. Je pourrais partir maintenant. Ça
Il y a le train. Quand tout à l'heure, je disais qu'il y avait un train par jour. Bah, oui. C'était le train du jour. Ouais, il y en a eu deux là par jour. Il y en a eu deux. Mais Greg, t'as plus, je te prends ton chargeur. Hein. Ouais. Voilà, bon, bah, tout à l'heure pour le départ. Et puis, bon, après, la route, on va pas filmer beaucoup parce que par ici, y a pas... c'est plat, quoi. Il n'y a pas grand chose. Sauf si on rencontre un cheval. Sauf si on rencontre un cheval, effectivement. Ouais. Parce que quand même, hier, on a rencontré un éléphant. Ouais. Et une moissonneuse. Une moissonneuse batteuse. Ouais. Et un camion avec des rondins d'arbres. Un camion avec des rondins d'arbres. Un chien au milieu de la route qu'on a failli se manger en pleine nuit. Un renard. Ouais, qu'on a failli se payer aussi. Putain, ouais. Mais on revient de loin. Ouais. On revient de loin, Jean-Jacques. Bon, enfin voilà. Allez, salut. Et nous sommes sur la route de Nancy, petite départementale. La D971. Et nous allons passer dans une ville mythique. Oui. Puisque c'est là où on était tombé en panne l'année dernière avec la Zoé. Ah, c'est à cet endroit-là. Donc on va passer. La Zoé avait du mal à marcher. La Zoé ne voulait pas charger sur la borne Leclerc. Ouais. On avait été en galère, mais que j'avais quand même réussi à l'emmener à l'hôtel. Ah ouais, de justesse. Hein. Avec 3% restant à la batterie. Et 3% sur une Zoé, c'est pas 3% sur une Tesla. Ouais, c'était chaud. Nous sommes à Louhans, dans la ville où on est tombé en rade avec la Zoé l'année dernière. Sur une borne Leclerc. Sur une borne Leclerc. Dans un kilomètre, au rond-point, continue tout droit. Là, c'est le Jura et les Vosges. Là, on est dans le Jura. Il y a le fond, il y a les Vosges. Génial, ça. Hey, fricadelle, tu veux une fricadelle? Regarde, fou de truc fricadelle. Ah ouais. Oh, le bateau, regarde. Ça, vous êtes sans faire, ça, un bac à frites. Putain, le monstre. Ouais, t'as vu? Énorme. De croiser un bateau. Voilà, à côté d'une fricadelle. Ouais. Dans le Jura. Tout à fait logique. Dans le Jura, oui, c'est on très, est dans le Jura, c'est on très logique. Une fricadelle. Un gros yacht dans le Jura. Allez, compose quelque chose. En même temps, c'est le Tour de France, donc on voit toutes les régions. Donc la fricadelle, c'est le nord, donc c'est logique de voir ça dans le Jura. Oui. Les bateaux comme ça, c'est plutôt du côté de Saint-Tropez, Nice, Cannes. Donc c'est normal, on a tout vu, on a seul. D'abord, ça aurait pu à la Baule, je sais pas, non, ouais. Dans le Jura. À 250 mètres d'altitude, hein, quand même. Ouais, mine de rien. Super KBVU. Encore des belles choses à voir ici. Ouais. Salut. Ah, mais c'est un coin qui est très joli, hein, le reste. T'as vu le chat quand il est en mode. Oula. Vous avez vu. Regarde Jean-Jacques à droite. Une belle photo à faire. Avec les vignes. Le lac Léman, des choses comme ça. Ça c'est qu'on est en haut, oui. Ouais, c'est qu'on est en haut et la croix du Mont Poupée aussi, si ça parle à quelqu'un. Ça. Non, la c'est croix du Mont Poupée, c'est un mont et il y a une croix tout en haut, ça s'appelle la croix du Mont Poupée. Et de
en haut, tu vois toute la vallée et puis tu vois le lac Léman. Ah, au côté suisse, hein. Ah ouais, c'est côté suisse. C'est oui, une méga vue sur le lac Léman. Ah, il y a une vue de malade. Et j'ai un vieux film de ça que mon père avait fait en Super 8 à l'époque. Qui est en train de se remettre en numérique. Ouais, je l'ai... Bah, en fait, je l'ai projeté sur un écran avec les rubines. Oui. Et j'ai filmé l'écran. D'accord, ouais. C'est les purées dures, hein, t'as vu? Voilà, oui. Ça, ça vient pas, là. Nous sommes toujours en route pour Nancy. Il nous reste 160 km à faire et 44% de batterie. Je suis à peu près à 15,8 kWh au 100 sur les 207,5 km qu'on a fait. Donc on est bien, hein. Ouais, tranquille. On est bien et on roule aux limitations de vitesse. On voit aucune inquiétude. On ne se prive pas. 360, c'est ça. Hein. Ah oui, c'est facile, hein, sans problème. À moins qu'il y ait un col à grimper. Ou d'autonomie de 400. À moins qu'il y ait un col à grimper que tu ne mets pas dit, Jean-Jacques. Ah oui, tu sais très bien que les cols, c'est très bien que ça n'a pas d'influence sur le VC maintenant. Si on redescend, oui. Un saut, on va toujours descendre. Et ça bouge, ah, l'autopilote, il freine tout seul. Voilà, impeccable, hein. C'est son job, hein, c'est parfait. Là, c'est joli, regarde au fond. Ah, là, ah ouais, un mont avec les plaines et les montagnes derrière. Regarde, c'est des magnifique. Chaque fois, je... On n'a pas encore fini de voir des belles choses, genre. Ah non, on verra. À chaque fois, on croit, ah, ça y est, c'est fini, on a vu vraiment ce qu'il y a de plus beau et tout. Ah, quand j'ai vu qu'on est allé sur la gauche, ouais, je vais voir des belles choses. Ah, bah ouais, donc, j'ai bien fait de suivre Waze. T'as bien fait, ouais. Voilà, envoyé. Moi, je t'aurais pas proposé, parce que j'aurais... Ouais. Tu m'aurais dit, ouais, on va arriver tard, tout ça. Ah non, parce qu'on arrivait à la même heure avec mon poids, c'était le même temps de trajet. C'est pour ça que j'ai pris quand même à dire de faire. Hein. C'est parfait. Si j'avais pris le GPS Tesla, on n'aurait rien vu du tout. Par contre, ça n'était que de l'autoroute. Voilà, ouais, on aurait payé 25 balles pour rien voir. Ah, ouais, payé pour rien voir. Ah, là, c'est vraiment. Ah, ça, c'était bien, ça payé pour rien voir. Ah, ouais, c'est le truc con alors. Tu gagnes une heure, ah oui, bon, d'accord. Enfin, tu gagnes une heure. C'est quoi une heure dans une journée, quoi? C'est que dalle. Même moi, ça, c'est super. En plus, j'ai un urgent, donc tu vois, pas de temps. En plus, voilà, un urgent, donc il n'y a pas du tout de temps de perdu. Ah, voilà, c'est bon. Si on pourra faire des belles photos de nos deux modèles S bleus identiques, 70D, ça va être super chouette. Ah, voilà. Le soleil, c'est beau. C'est super, bien. Super. Donc, la ville là, qui est autour, c'est Vesoul, là, j'imagine. Là. Ouais, c'est logique, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Dans 800 mètres, au rond-point, continue tout droit. Ah bah tant mieux. J'adore mon GPS. Ce petit GPS-là, je l'adore. Alors, je vais vous donner une petite astuce. Là, devant, il y a des gens qui avancent en accélérant, freinant, accélérant, freinant. Plutôt que de se caler à 90 et de faire l'accordéon comme eux, vous calez à 80, vous restez à distance. Et comme ça, la voiture, elle va pas faire des freinages, accélération. Et vous roulerez à la même vitesse qu'eux et vous consommerez beaucoup moins d'énergie. Voilà, petite astuce. Voilà, nous sommes donc à 71 km de Nancy du superchargeur. Et on nous indique... Le monsieur qui est dans la batterie nous dit qu'on va arriver avec 3% d'énergie. Donc tout va bien, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, il me dit que je ne dois pas dépasser 95 km/h pour atteindre l'arrivée. Donc, par contre, sur ce coup-là, on va écouter ce qu'il dit, on va rouler à 90. Ouais, il me reste 15% de batterie. Du coup, j'ai augmenté un peu le rythme. Il nous reste 38 km à faire. L'ordinateur calcule qu'il nous restera toujours 3% à l'arrivée. Donc, on est conforme aux prévisions. Donc, pour ceux qui disent que j'arrive jamais moi, à moins de 10% avec ma batterie, bah là, si. Oui. Et puis, je l'ai déjà fait au Mans aussi. Hein. Là, c'est vraiment le but d'atteindre 3%. Je vais arriver avec 3% au Mans. Hein. Voilà, au niveau consommation, on est très très bien.
confiant. Oui. Parce que là, je m'emmerde plus. Hein. Je roule à la limitation de vitesse. Allez hop. Il nous reste 33% à l'arrivée, on verra bien. Mais en tout cas, je trace. Il reste que 32 bornes. Avec 12%. Allez, je tente le coup, moi. Je suis un thug. Je suis un thug, Jean-Jacques. T'es vraiment un thug, là. Hein. Allez, pas de problème. Même si on arrive à 0%. Oh là là. C'est pas grave. Et on là, y si, va. Si ça arrive à 0%, on peut alors faire 30 km. 0% avec une 70D, on doit pouvoir faire entre 20 et 25 km sans problème. D'accord. Ouais. Donc ça ne m'inquiète absolument pas, Jean-Jacques. C'est pas pour ça. Regardez ma consommation, tu vois, il me reste de quoi faire 58 km. Ouais. Et il y en a 31 à faire. Ouais, ça va. Il n'y a pas de souci, hein. Bon, Jean-Jacques, 5% à la batterie. Déconcentre-toi, je conduis. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui conduis, c'est pas moi. Oui. Montre aussi tes mains pour montrer que tu conduis. Bah non. Si, tu montes tes mains comme ça, on te prend le volant. Comme ça. Quoi ? Comme ça. Voilà. En tout cas, tu conduis. Voilà. Attends, je t'aide à tourner le volant parce que ça tourne. D'accord, oui, ouais, ça tourne. Ouais. Pas vu que c'est bien. Et donc, tout va bien, il reste 8 km. Allez, on continue le périple. Ah, puis il pleut en plus. La pluie vient se mêler à... Attends, on va pas arriver sous la pluie, Jean-Jacques. Non, mais t'as c'est la loose, ça, Jean-Jacques. Non, mais là, t'as... Ah, tu déconnes. La montagne, à Nancy, dans le nord. Jean-Jacques, arrête de faire ton tug, là. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, la GPS, en sortie rouge, Jean-Jacques. Bah là. Parce que si je me gourde de sortie, je fais comment, Jean-Jacques? Attends, regarde, un couillu. Putain, merde, d'un couillou ou d'un couillon? Un couillou, là, je suis couillu pour faire ça. Oh, putain. Mais je serais un couillon si j'y arrive pas. Oh, putain. Ah, c'est quoi de... Enfin, tu vois, j'ai loupé la sortie bêtement. Ouais. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit quelle sortie, Jean-Jacques. Elle m'a dit à 1,5 km, donc déjà c'est pas cette sortie là. Ah, même pas, elle me dit de rester sur la 330. Bon, on rentre à Paris à alors. 1 km, ah oui. Veuillez suivre les voies de gauche sur le terrain. On est des thugs, on continue sur le tour. Veuillez suivre les voies de gauche en direction de. Il reste 4%, Jean-Jacques, dans la batterie. 4%. Voilà, je suis déçu, je voulais arriver à 0%, merde. Pas de loupage de batterie, je veux dire. Pas de loupage de sortie. Jean-Jacques, c'est pas sorti, on n'est pas sorti. De toute façon, ici, je me gourre à chaque fois. Ah, c'est la même hein, que moi. Hein. Je me gourre à chaque fois, Jean-Jacques, ici. Pour l'instant, on est resté à gauche. Je reste maintenant, serré à gauche sur l'autoroute A33. Et puis, veuillez suivre les voies de gauche ça, en direction ça, de. Ah ouais, ça fait. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Maintenant, serrez à gauche et continuez sur l'autoroute A330 en direction de. Et puis, veuillez prendre la sortie bon, là, à droite. C'est bon. C'est bon, Jean-Jacques, t'es sûr, Jean-Jacques? Parce que là, je suis en panique, Jean-Jacques. Il me reste que 4% dans la batterie. Putain, la machine s'est barrée. Non, Jean-Jacques, on est perdu. Le truc s'est barré, Jean-Jacques, on est paumé. Ah, j'en ai mal aux cheveux. Ah, bah non, j'en ai pas. Alors, on sort là. Maintenant, prenez la sortie à droite, à la sortie numéro 3. Je sais pas où est la direction. Je suis jamais venu ici. On va se perdre. Hein. Qu'est-ce que t'en penses si on faisait plusieurs tours de rond-point histoire d'arriver à 0%? Oh, parce que là, c'est trop facile, il nous reste 4% encore, Jean-Jacques. Merde, je suis déçu. T'arrives à 0%. On a fait 364 km, Jean-Jacques. T'as pris la bonne attends, sortie. Attends, merde, on s'enroule. Oula. Oula, voilà. Ouais, je crois que c'est là. Hein. Tu es content de j'avais rond-point. Un doute. Hein, parce que... Ils ont même sur le terrain, ça aurait été bon. Ouais, mais si on sort là, on peut pas faire des tours de rond-point, Jean-Jacques. Veuillez quitter le rond-point à la troisième sortie, dans la rue Antoine de Saint-Exupéry. Et puis, c'est vraiment parce que Joël nous attend. À la deuxième sortie. Joël, attends-nous, on s'amuse un peu là. Ouais, on fait un peu de tour de rond-point et on te rejoint après, Joël. Donc, ce rond-point là, c'est à gauche. Je connais Jean-Jacques, je suis des dizaines de fois ici. Je connais par cœur ce superchargeur. Hop là! Kentucky Fried Chicken! Regarde, il est à gauche un petit peu plus haut. On passe le deuxième rond-point, tu vois la voiture à 80 mètres, veuillez quitter le rond-point à la deuxième sortie et puis veuillez tourner à gauche. Annulé, ferme ta gueule. Il y a un souk à côté d'un Cora. Ouais, c'est ça. Putain, pour une fois. Regarde, il y a même des Tesla dessus. Je suis dégoûté. Putain, tous les superchargeurs sont pris, Jean-Jacques, on est dans la merde. Oh là, en plus, il y a une copieuse, il y en a une qui a pris la même voiture que moi. Oh la vache. C'est honteux de voir ça. Je regardais son parking de courage, je crois qu'il était. On a attendu de pied ferme, je te le dis. Pourquoi elle nous entend pas? Elle est sourde. Ouais, je crois qu'elle est sourde un peu. Elle a du mal à nous entendre. Je... Smoke weed every day, en fait, il y a un joint de
Jean-Jacques, il reste 4%, je suis déçu. Ouais, c'est déçu. Jean-Jacques. J'ai bien cette image. Attends, par contre. Je suis mal pris. Pas écrasé, Joël. Voilà. Ça serait déçu aussi. Voilà, si je l'écrase, elle va vraiment être très déçue. Ouais. Elle sera juste déçue. Déjà que je me mets pas à côté de sa voiture. Déçu, ouais. Parce que j'ai pas envie qu'elle me pique mes watts. Mais what? Mais what? Voilà, donc là je suis en train de charger à 110 kW. Donc là ça charge bien forcément comme a été mis. Et j'ai déjà, le temps qu'on discute, j'ai déjà gagné 16%. Ça va vite, hein. Et donc le superchargeur qui cette fois-ci toutes les stèles sont en fonction, c'est la dernière fois que je suis venu, il n'y en avait que 4. Et là il y en a 8, ça y est, on est tranquille. Mais dis donc Joël, t'aurais pas un petit peu copié sur moi? T'aurais pas un petit peu copié sur moi Joël? Ah non, tu vois, moi j'ai pas copié. Et là je vois une boucle à plat. Là, non, franchement non. Ouais, enfin tu parles de ma tache blanche, mais moi je suis désolé. Attends, tu veux parler de tache? Moi je suis désolé, mais il y a des taches aussi sur ta voiture. Ah oui, mais c'est vrai. Hein? Bon. Moi ça, regarde, je peux les enlever facilement. Hein. Moi aussi je peux les enlever, mais pas facilement. Ah oui, c'est une 70D aussi. Il n'y a que l'intérieur qui est noir sur la sienne et gris sur la mienne. 4G. Ah, 4G, ouais. Bon, d'accord. C'est de la provocation, ça, jeune homme. C'est de la provocation. Pendant notre tour de France, on se fait pas chier, on va au resto. Hein. Pas les trucs normal. Hein. Voilà. Hein. Après l'effort, la récompense. Voilà. Hein. Vous êtes fait le trajet pour. Jean-Jacques, je sais que ça te plaît pas, mais bon, tu vas être obligé de manger. Ouais, hein. J'ai pas le choix, merci. J'ai pas le choix. Hein. Allez, au tour de France. Jean-Jacques, t'as pas trinqué, Jean-Jacques, tu déconnes, Jean-Jacques. Allez, bon appétit.